Sông trình quỳ. Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. The chamber wishes to inform the parties and the public that the health condition of the president Neil Nunn is better, and we hope that he is able to join the bench very soon. After he is updated with the latest development in the proceedings, and I notice a counsel for Kirsten Pohn is on her feet. You may proceed. Mr. President, I apologize, but I think we have a problem in the French booth. Well, in any case, there's a strange sound in our headphones, and I think it's the case for all French speakers. Maybe you need please check because the client channel can also not is also not heard. Parce que l'on n'entend pas le canal le Khmer non plus. But we resumed our proceedings. Le président. Reprenons nos débats. Again, the chamber to inform the parties and the public that the health condition of the president has improved, and he hopes that he is able to join the bench in the near future after he has been updated about the latest developments in the proceedings. On lui a fait une mise à jour des derniers développements dans la procédure. Il pourra ainsi se rattraper. And today the chamber will hear testimony of a witness to TCW 854 in relation to S21 Security Center. Ms. Jiu Huang, please report to the attendance of the parties and individuals to today's proceedings. And again, I notice the counsel for Kirsten and ponies on her floor. I apologize for interrupting again, but we really have a problem in the French channel. I don't know if that's the case with the other languages, but there's constant static in our headset, so that is an issue. AV unit personnel, please check. La régie veut bien faire la vérification nécessaire. See whether there is any technical glitch since the French channel cannot be heard. Pour voir s'il y a un problème technique puisqu'on n'arrive pas à entendre la cabine française.
Vous pouvez parler somme Parties, can you hear le président, les partis peuvent-elles entendre les interprètes? A priori, pour le moment, ça va, Monsieur le Président. It's okay now for the moment. Thank you, Mr. President. Thank you, Counselor. Merci, Maître. Again, let me resume our session. Je vais une fois encore reprendre notre session. La Chambre aimerait informer les partis et le public que l'état de santé du président Nilnan s'est amélioré. Nous espérons que le président pourra rejoindre le Collège des juges très bientôt. Après qu'on lui a fait une mise à jour des derniers développements de la procédure. Aujourd'hui, la Chambre entendra la déposition du témoin de TCW 854 sur les centres, sur le centre de sécurité de S21. Le greffe devait-il bien faire état de la présence des parties ou autres personnes à l'audience? La greffière, Monsieur le Président, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes, à l'exception de Liu Sovana, conseiller national cambodgien de Nunchair, qui a informé la Chambre qu'il sera absent pour cette séance matinale pour des raisons personnelles. Nunchair est présent dans la cellule de détention temporaire du sous-sol. Il a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le document de renonciation a été remis au greffier. Le témoin qui doit déposer aujourd'hui de TCW 854 a prêté serment devant la statue de la barre de fer hier. Il se tient prêt à être appelé par la Chambre. Nous avons également une partie civile de réserve de TCCP 283. Je vous remercie. Thank you, le Président, merci Madame la greffière. La Chambre va présenter sa suite sur la requête de Nunchair. La Chambre a été saisie d'un document de renonciation de Nunchair en date du 15 septembre 2016. Il y indique qu'en raison de son état de santé, maux de dos, maux de tête, il ne peut pas rester longtemps assis ni se concentrer longtemps. Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire pour l'audience du 15 septembre 2016. Il dit avoir dûment été informé par ses avocats des conséquences de cette renonciation qui ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit à un procès équitable, ni à son droit, de remettre en cause tout élément de cause versé au débat ou produit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre a également saisi d'un rapport du médecin traitant de Nunchair, médecin traitant de CETC, en date du 15 septembre 2016. Le médecin indique que Nunchair souffre de maux de dos chroniques qui s'aggravent lorsqu'il reste longtemps assis. Il recommande à la Chambre de permettre à Nunchair de suivre le débat à distance depuis la cellule temporaire du sous-sol. Par ces motifs, et en application de la règle 81.5 du règlement intérieur des CETC, la Chambre fait droit à la requête de Nunchair qui pourra suivre le débat depuis la cellule temporaire du sous-sol par voie audiovisuelle. The chamber instructs the every unit personnel la Chambre prie la régie so de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nunchair puisse suivre l'audience toute la journée. Court officer, please, as a witness to TCW 854 into the de TCW 854 dans le prétoire.
Good morning, witness. What is your name? Bonjour, monsieur le témoin. Quel est votre nom? President and witness, please, you should respond only when you see the red light on the tip of the microphone. Ne répondez que lorsque vous voyez le voyant lumineux apparaître. Witness, my name is NOEM, alias NOEM Sreang. Alias NOEM Sreang. Question, are you known by any other names or alias? Sous un autre nom ou sous un alias, un surnom? Counsel for Kyo Sampon, you had the floor. La défense de Kyo Sampon, la parole. I apologize, but I still have static on the French channel. Every unit personnel, please check the French channel again. La régie, veuillez à nouveau vérifier le canal français. Please be informed, the AV unit needs a few minutes to recheck their system. Witness, when were you born? Monsieur le témoin, quand êtes-vous né? And
witness, please observe the microphone. And Karavisa, please raise the microphone a bit further so that I can see the red light and whether the microphone is operational. Pour que je puisse vérifier si le microphone fonctionne et pour que je puisse voir le voyant lumineux. Again, witness, when were you born? Plus, monsieur le témoin, you can recall it. Vous souvenez-vous de votre date de naissance? And again, Mr. Witness, please observe monsieur the microphone. Témoin, you suddenly speak when you see the red light on the tip of the microphone. Attendre que le microphone soit allumé. Ne parlez que lorsque vous voyez le voyant lumineux. Witness, I was born in 1953 and I cannot recall the day or the month. Je ne me souviens pas du mois ni du jour. Question, where is your current address and quelle est votre adresse actuelle occupation? Et votre profession? Answer, réponse. I live in Prayteten village, Kop sub-district and district Kandal province. Commune de Kop. I am a rice farmer and I also work as a healer. Je suis également guérisseur. Again, every unit personnel, please check the French channel. It seems that it's not veut bien, working une again. Fois de plus, vérifier le canal français. Il semblerait que les problèmes persistent. Due to technical glitch, the AV unit needs 20 minutes to reset it. For that reason, we will take 20 minutes break. And after that, we will have a session straight until lunchtime. Après quoi, nous aurions une session continue jusqu'à la pause déjeuner. La défense de Mitchell a la parole. La défense, merci, Monsieur le Président. Je saisis cette occasion pour faire une demande. Elle peut entendre, mais il y a des bruits de fond. Avant de prendre la pause et avant de commencer l'interrogatoire du témoin, je voulais faire des remarques préliminaires en ce qui concerne le temps alloué aux parties. This is, we believe, a very important witness. Nous pensons que c'est un témoin très important pour ce qui est du fonctionnement de S21. Earlier witnesses like, les précédents témoins tels que Him Hui ou Susti se sont vus accorder deux jours pour leur déposition. Nous pensons que ce témoin est tout aussi important que les deux précédents. That, nous pensons donc
qu'un jour est un délai très court pour la déposition de ce témoin. Je suppose que le procureur est d'accord avec cette observation. Maintenant, pour les problèmes techniques, je demanderais qu'on consacre plus de temps à ce témoin, au moins un jour et demi, voire deux jours. Tout dépend bien sûr de comment les choses se dérouleront, mais on devrait au moins avoir une session matinale demain. Telle est ma demande. Judge Laverne, you have the floor. Le président, le juge Laverne, vous avez la parole. Voilà, simplement pour signaler que apparemment, la réception du canal français ne pose plus de problème technique, il n'y a plus de bruit de fond. No longer problematic. There's no longer any static. I hope it's going to last. I don't know if it's the same for the others. Sur le canal cambodgien. How about the Khmer channel? No problem. Oh, okay. Je pense qu'il n'est plus nécessaire. I believe that therefore it's no longer necessary to take a 20-minute break, and I think that we can continue because the technical problems apparently have been solved. Since the problem has been solved, we resume our session. Nous allons poursuivre nos débats. La Chambre l'examinera et verra comment se déroule l'audience. L'accusation. Vous avez la parole. Let me just put, couple comments l'accusation, je voudrais faire des commentaires. Je ne suis pas d'accord avec la défense de Nunchia qui dit que ce témoin est important et que les gens tels que Him Hui et Susti qui ont bénéficié de deux jours, je crois qu'il est clair à la lecture de ces PV d'audition que ses connaissances sont limitées et sa mémoire fait défaut parfois. C'est peut-être un témoin important pour la défense. Je n'ai pas d'objection si la Chambre veut accorder un temps supplémentaire, mais je ne pense pas que ce sera jusqu'à deux jours. Donc nous en remettons à la Chambre et nous n'avons pas d'objection à ce sujet. And witness, what are the names of your parents? Comment s'appellent vos parents? My father is Duc Nam and my mother is Ruth Diem. And what is your wife's name and how many children do you have? My wife is Pum Van. We have four children. There is two sons and two daughters. Je pense que maintenant, à partir du moment où la parole a été donnée au témoin, en fait, il y a eu un problème technique et nous avons un nouveau décaisement. The witness, the technical problem arose again. So the sound quality is a problem now. Quelque chose de plus sérieux à avoir. So I think we really have to look into the matter.
within 5 days. That would, of course. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Friend language testing. On the trocat. Testing. Le président. Mr. Witness, based on Monsieur the greffier report, d'après le rapport de la greffière, that, to the best of your knowledge, you had no vous relationship qu'à votre connaissance, by blood vous n'avez or aucun by lien law to par the two accused that are Nunchi and Kyu Sampon. Avec les deux accusés, and the civil parties admitted in this case 002. Is this information correct? Constitué dans le dossier 002/02. Est-ce exact? Answer. Réponse. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. I am not related in any way je to n'ai Kyu aucun lien avec Kyu Sampon ou Nunchia. I never knew them nor met them. Je ne les ai jamais connus. President, thank you, et je Mr. ne les ai Witness. Jamais rencontrés. Le président, merci, Monsieur le témoin. You have already taken an oath vous avez before déjà the prêté Iron serment Club statue. Devant is la statue correct? À la barre de fer, est-ce exact? Answer. Réponse. Before I came in to testify in this courtroom, I already avant took d'entrer an dans le prétoire, before the Iron j'avais Club déjà statue. Prêté serment devant President, la statue à la barre you, de fer. Witness. Le président, merci, Monsieur le témoin. Next, the chamber would like to inform you la of your rights and obligations vos as a witness. Obligations en tant que témoin. Your rights. Vos droits. As a witness in the proceedings before témoin. The chamber, you may refuse to respond dans to any question devant la chambre, or to make any vous pouvez refuser de répondre à toute question which may incriminate ou de faire tout commentaire susceptible right de vous incriminer. Against self-incrimination. C'est votre droit à ne pas témoigner your obligations contre vous-même. Vos obligations. As a witness in the proceedings en tant que témoin before the chamber, devant you la must chambre, respond to any questions by the bench or relevant parties posées except par les where juges your response or comment ou toute partie to those questions à moins may que incriminate you la réponse à ces questions as the chamber has just informed soit you de of your rights as a witness. La chambre vient donc de you vous énoncer vos droits that you have known, en tant heard, que témoin. Seen, vous devez dire la vérité en fonction de ce que vous savez, avez vu, entendu, vécu or observed ou observé directly about directement an event or occurrence relevant to the questions that et the bench tenu de or parties tout événement posed to you. Dont vous avez le souvenir en rapport avec une Mr. question Witness, posée par les juges. Have you ever provided testimonies or témoin, interviews with the OCIJ investigators? And par if les you did, how many times it happened si oui, and where they happened? Et où? Answer. Réponse. I provided interviews to the investigators at the Khmer Rouge Tribunal one time. DCETC, une fois. President, thank you. Le président, merci. And before you came into this courtroom, président. Have you already reviewed the statements that you provided in the interview with the OCIG investigator in order to refresh your memory? The floor is given to the defense counsel for Kyu Sampon.
Excusez-moi, Monsieur le Président, je parle sous contrôle des autres francophones, mais la dernière réponse était complètement inaudible. Le problème technique a à nouveau recommencé. Donc, je ne sais pas si ça se passe par intermittence, je ne sais pas si c'est que le microphone d'une des interprètes, mais en tout cas, je n'ai pas entendu un mot de la dernière réponse du témoin. President, the chamber try to continue a bit and see what will happen. La chambre va essayer de poursuivre et voyons ce qu'il se passe. Thank you, Mr. Witness. Before you entered this courtroom, have you already reviewed or read the statements you provided to the OCIG investigators in order to refresh your memory? Answer. Réponse. Yes, I have reviewed it. Oui. Je les ai and I can say that I can confirm my recollection of it. Que cela correspond President, à ce dont thank je you. Souviens. Based on Merci. Your recollection of it, can you tell us whether what was written in the statement was consistent with what you provided during your interview with the investigator? Correspond à ce que vous avez dit au cours de l'entretien avec les enquêteurs. Answer. I have read and provided my statement during the interview about my role as a photographer réponse. At S21, and yet they were consistent AS21. With each other. Et les réponses President, sont thank you. Par rapport à ce que j'ai dit. For the hearing of the testimony of this witness based. Pursuant to Rule 91 bis of the EECC internal rule, chamber gave the floor to defense counsel for Nguyen Chia first to question this witness, and the combined time for the defense counsel for Nguyen Chia and Khieu Somphorn are two sessions. You may now proceed. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, good morning. Merci. Mr. Witness, Monsieur le témoin, bonjour. My name is Victor Coppe. I am the international Coppe, lawyer for Nguyen Chia. Et je suis le co-avocat and I would like to ask you some questions today aujourd'hui vous poser quelques questions. About your position as chief je souhaite vous interroger of the sujet photography de votre unit in S21. But before chef I do that, let me ask you some preliminary je questions vous poser first. Des questions préliminaires. One thing is that I just noticed that there is no duty counsel que vous n'êtes pas besides you d'un avocat de permanence. Sitting beside you. That is a lawyer advising you un avocat de about your right un avocat qui to remain vous conseille silent. Au sujet de votre have droit you à garder le silence, notamment. Est-ce que been given the opportunity on vous a to be donné assisted la possibilité by a duty d'être counsel? Assisté d'un avocat de permanence? No, réponse, I did non. not receive it. Je n'ai pas reçu cela. Mr. President, I went back to the Notre transcripts Coppe. Of Monsieur earlier le Président, je, S21 les transcriptions du personnel testimony. D'un témoignage I've noticed du personnel that, d'S21, j'ai remarqué que les deux personnes, Him Hui, Susti, Him Hui, Susti, Tai Teng, and Tai Teng, I think others as well, et d'autres également, received the assistance of a duty counsel. This witness is the chief, or was the chief of the photography unit. Nous avons le chef de l'unité de photographie. So I'm not quite sure what happened there.
Ainsi, j'ignore one follow-up ce qui question. Vient de se passer. First, Mr. Witness, I've seen Monsieur in le témoin, une question. J'ai vu both your WRIs dans vos that deux you have been in prison for 10 years between 1996 and 2006. Is that correct? Were you detained for a period of 10 years? Emprisonné pendant 10 ans. Yes, that is correct. C'est exact. And was that detention because of your role in S21 or was question, it because of something que vous different? Avez joué à S21 ou était-ce pour une autre raison? No, it's not related to my role at S21. Réponse non, rien à voir avec mon rôle à S21. The interpreter cannot hear the witness. L'interprète n'entend pas le témoin. President, counsel, did you President, receive the answer maître, from la the witness? Du témoin? I did, yeah. Maître Cooper, oui. The French speakers heard it too? Les francophones l'ont-ils entendu? Yes. Those 10 years in prison, Mr. Witness, why was that? Monsieur le témoin, ces 10 années que vous avez passées en prison, pourquoi? Pour quelle raison était-ce? When I was imprisoned, I assisted other people, and those people, instead, they got angry with me. Ces personnes se sont fâchées. And in that situation, I tried to help stop them. Having conflict with each other, et but they felt angry with me and they wanted to attack me, so I grabbed a stick de and hit ou de him. Les empêcher de se chamailler, donc, mais ils se were sont you ever fâchés in après prison moi, alors j'ai pris un bâton et je l'ai frappé. Because of your role question. In S21, vous right after 1979? Juste après 1979, à cause du rôle que vous avez joué à S21? No. Réponse, non. No one knew that I was the former photographer personne of S21 que j'étais l'ancien photographe because de S21. I used two names. Parce que j'ai I changed my name noms, from NOEM to NOEM KAM SRIENG. Au lieu de NOEM, je suis devenu NOEM KAM SRIENG. Thank you. Mr. Witness, let me start témoin, by asking you some questions about what you did before the liberation of Phnom Penh in April 75. And let me see if I can summarize it for you so that we can do that a bit quicker. Is it correct that before 1975 you were a member of the Vision 703, de la division 703. A division that was led by Tanat, la division dirigée par that you Tanat. Were in battalion 116, dans le bataillon 116. That you were a deputy et que vous étiez squad leader, adjoint and at one point in du time chef you were wounded, et qu'à un moment donné, vous avez été blessé. I think at a time when the division was still called division 12. Et je crois qu'à ce moment-là, and is it correct when I say that it was Tanat who sent you to study and be trained as a photographer? Étudier et être formé pour devenir photographe. Yeah, that is correct. Réponse oui, c'est exact. Because Tanat was the one who
sent me through Ta Samuen Elias Rat. Effectivement, Tanat qui m'a envoyé via Ta And why was it that Tanat asked you question est pourquoi Tanat vous a-t-il choisi vous to be trained as a photographer? Why was it you pourquoi vous a-t-il choisi vous that had to study photography? Étudier la photographie. The reason was that at that time I was wounded. Qu'à cette époque-là, j'avais été blessé. And I was wounded on the day that the city fell. J'ai été blessé le jour où la ville est tombée. I met Srei Mun. And Srei Mun sent me to Tanat to work as a photographer. À Tanat pour que je travaille comme photographe. Is it correct that not only you, but also other people from Division 703 were asked to become photographers, that you had a team of six persons? Et que vous aviez une équipe de six personnes. Yes, there were six of us from Division 703. Three of them were sent to study in China, and three were kept to work at the place. For those who were literate were sent to study in China. For the illiterate one were kept to work at the place. And then one of the photographers escaped to Thailand. I was so scared at that time. J'avais tellement peur à ce moment-là. Because that person who escaped to Thailand brought along documents and guns and all of my belongings. So I was so scared. Donc j'avais vraiment très peur. And is it correct that the three that stayed behind to learn photography were you, Srun Song, and Kang Nit? Yes, that's correct. Oui, c'est exact. And is it also correct that you question were the group leader of those three who stayed behind? You were the group leader of Srun Song and Kang Nit? Vous étiez les chefs de Srun Song et de Kang Nit. Yes, I am the group leader or team leader. J'étais le chef d'équipe. Do you recall when it was that Tanat sent you question, vous Srun Song à quel and Kang Nit to S21? Tanat, vous envoyez-vous Srun Song et Kang Nit à S21? At that time, Tanat drove a Tanat vehicle. I don't know what make it was. It was made from Je in the U.S. And he drove three of us to S21. Il nous a conduit tous les trois à S21. When you speak about S21, do you mean lorsque vous parlez de S21, the premises of what is now parlez-vous called de l'enceinte the Tool Slang Museum? De ce que l'on appelle aujourd'hui Tool Slang? Yes, it is the current Tool Slang Museum. Were you Srun Song and Kang Nit, stationed at S21 to work as photographers from the very beginning of S21, dès le début April, May 1976? C'est-à-dire vers avril, mai 1976. Yes, we started working there since 1976. And did the three of you work at S21 all the way
Until the very end, question, January 1979. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à janvier 1979. Yes, that's correct. Oui, c'est exact. On two occasions in your WRI, dans votre procès verbal d'audition à deux reprises, E3/7639, respectively, page English ERN 00162733 and Khmer 00162709, French 00338076, and a bit further as well. You say there was only the three of you working in the photography unit, and also that there were no photographers in S21 when you first arrived. Is that correct? Au début, est-ce exact? Yes, oui, c'est exact. That's correct. Now let me ask you something. Question. About someone you mentioned in your WRI. Je souhaite à présent vous interroger au sujet d'une personne dont vous parlez dans votre you refer to as vous appelez cette personne little N, le petit NEM N. NEM ou NEM N. Do you recall a little boy? Vous souvenez-vous d'un at petit time, garçon name, Nem à cette époque-là N, little, qui s'appelait Nem N ou N? Yes, I can recall it. Nem N was small at Nem that time. Nem N était petit à l'époque. When those children were brought in by Nat, ont été amenés par Nat, I saw among those group of children who were j'ai brought in, including some of my relatives, certains membres de ma famille. And I realized about what would happen et in the future, because I knew that if we train the young one, if the young one became an expert, and then the instructor would be killed. Alors, so I did not exécuté. Transfer all my knowledge c'est to the young trainee. I had to make sure that they did not receive all the skills. They knew only how to take photographs, but not any other relevant skills. Before I will ask some more questions about NEM N, Mr. President, with your leave, I would like to show two documents at the same time. One is document E3/10600, 10600. It is the photo of Nem N. And the book from Nem N, which is now in the case file. And with your leave, the court officer could please give this, these two documents to the witness. President, yes, your request is granted. Court officer, please take the document to the witness. Just, can you just identify it for the record as with the ERN number? Pourriez-vous donner tous les ERN au fin de la transcription? I definitely will. I just tout à fait gave my copy to je viens juste de donner mon exemplaire au témoin. The witness. But I will do once it's back. Mais dès que meanwhile, I have the ERN English. It's 00162874. It is Annex A. C'est l'annexe A. That's this document. And the first page of his book, the ERN, I will give that to you shortly. Et je vous donne sous peu le ERN Mr. Witness, page de son is that the NEM N that we speak about? Est-ce là bien le NEM N dont nous sommes en train de parler? NEM N at that time was quite young. Réponse, à cette époque-là, NEM N était assez jeune.
We never met each other now. I heard only his voice on the radio. I have never met him until now. Do you recall when Nam N came to work or assist you or rather learn photography under your supervision? When was that while you were at S21? À quel moment était-ce? When did you start teaching À quel moment avez-vous commencé à enseigner la photographie à Niem N? After my brother was removed from the bodyguard units Après to que the vegetation unit, at that time I realized about what would happen. Ce qu'il allait it arriver. Was at that time that Niem N was C'est sent along with other two young men. Aux côtés de deux autres jeunes hommes. He was trained during daytime. At night time, they went back to sleep nuit, at their respective unit. Ils rentraient dormir au sein de leurs unités respectives. But do you know when it was that Nam N and the other two came to your unit to learn how to make photos? À quel moment Nam N et ces deux autres personnes sont-elles venues apprendre la photographie? At that time, I did not know much because we knew only about what happened at our place where we were responsible for. We did not have the rights to move around. Nous n'avions pas le droit de circuler librement. Let me see if I can jog your memory a bit. It's a long time ago. Voyons si j'arrive à rafraîchir la mémoire puisque c'était il y a fort longtemps. You give various answers as to time, vous avez donné but if I understand your answers correctly, you said that Niem N si came to S21 mid-78, late-78, six months before the fall of Phnom Penh, avant la chute around de Phnom the time that Nat was arrested. Aux alentours Could de that be correct? Nat a été arrêté. Est-ce que c'est exact? Back, but yes, that is correct. Oui, c'est exact. So, when Nam N came to you to learn how to make photos, Donc, lorsque Nam N est venu did he already have any prior knowledge? Did he know how to use a camera? Did he know how to develop films? Did he know anything about how to make photos? Or did he have to learn all the basics? Avait-il des connaissances élémentaires en matière de photographie? At that time, when Niem N arrived, he did not possess any photography skills yet. Niem N n'avait aucune compétence en matière de photographie. I only taught him how to take photographs. I did not teach him how to make the fluid. À développer, à utiliser Because I felt that if I taught him many skills, he would je not be able to si catch them all. So I taught him only one skill that was taking trop, photographs. Ne pourrait pas tout assimiler. Would it be fair to say that when you first met Nam N in S21, he was totally clueless about how to make photos? Il ne connaissait absolument pas du tout en matière de photographie. Prosecutor, do you have the floor? L'accusation, vous avez la parole. I think that's a leading question. The witness has already provided a substantive answer of his recollection, at least, which is obviously inconsistent with a lot of the evidence, but counsel shouldn't be leading the witness and putting words into his mouth like clueless. N'a pas à mettre de mots dans la bouche du témoin comme ne s'y connaissait pas du tout. Let me do it differently. I have no problem. Maître Copper, bien, je vais procéder différemment. Pas de problème. When you first met Nam N, lorsque vous avez did rencontré he show Nam N pour la première any fois,
advanced knowledge of how to make photos? Did he tell you about photography education he followed or he had followed in China, or that he was a photographer during very important visits of Chinese leaders at various dams in the country? De Chinois sur différents barrages dans le pays. Speaking about Nguyen An, parlons de Nguyen An. Although he said that he learned photography skills in China, but from the way I observed, he could not even insert the film properly into the camera. Insérer correctement une pellicule dans son appareil photo. Although he boasted about his photography session in China, how could that happen since he could not even insert the film properly? Aurait-il pu être possible alors qu'il ne pouvait même pas insérer correctement une pellicule? The selection of three individuals from the division to study in China, and if that was the case, then how could he come to learn from us? Si c'était le cas, alors pourquoi est-il venu apprendre auprès de nous? If I taught him everything, then I would be put in prison because I knew that that was indicative when they were sent to study from us, because a lot of people had been arrested already. Je sais que quand on les envoyait and those who were accused of being in the Tetris network of Americans, they would be killed. But if they were linked to Dune, then they would be spared. And I was probably accused of being part of the Dune network, and that's how I survived. J'ai probablement été taxé d'appartenir à un réseau de Dune. C'est ainsi que j'ai survécu. Finishing up with Nguyen An. Finissons en avec let me read to you what he has said in an interview I believe two Americans, Doug Niven avec les Américains, and Peter McGuire. Doug Niven et Peter McGuire, document E3/7495, RN en anglais, 00078256256, Khmer 00082658, French 00079535351. So this is Nguyen An talking. Nguyen An parle. Mr. Witness, he says, question is, question, who were your assistants? Qui étaient vos assistants? And he says, réponse, my assistants were Ri, mes assistants étaient Ri, Sam, Nit, Song, and Sring, et you. Sring, à savoir so vous. He is actually saying that he was the chief. Il dit effectivement qu'il était le chef et vous, son assistant, son adjoint. Est-ce exact? That was cheating, and it was not a cheating for only one person, but it was a cheating for everyone in the country. En ce qui concerne une personne, mais some of my people disappeared at the mountain. Certains and maybe if you want to know more clearly, you should ask Dutch about that. Et si vous voulez avoir plus d'informations, demandez donc about à Dutch. Who was in charge of that section, he knows it very well. Il était chargé de cette section. Il connaît tous les détails. Correct. Dwick confirms that Nguyen An had no Dwick role to play. A confirmé que Nguyen An n'avait aucun rôle à jouer. Susti doesn't know Nguyen An. Susti ne connaît pas Nguyen An. Dwick says that you were the number one Dwick a dit of the photography que c'était unit vous and le numéro Song un was de the number two de of photography the photography unit. Et Sung Is était le numéro deux. Est-ce exact? Prosecutor, do you have the floor? Le président, l'accusation a la parole. Yes, Mr. President, I just want to object to counsel continually putting assertions on the record without any citation to the evidence because Doig did not deny that Nguyen An had any role at S21. Doig n'a pas non plus nié que Nguyen An a joué un rôle à S21. And Nguyen An never testified in this courtroom that he was the chief. That is something that was in one interview. He did not say that in this courtroom. Il ne l'a jamais dit, ni dans it's les auditions, no ni au prétoire, la défense. Let me first, aucun talk problème. About, Duick's testimony in relation commençons to, par le témoignage de Duick. Sring,
the witness and song. En ce qui concerne Sreng, le témoin et Song. In E3/7457, that is 9 July 2009, he says, in his testimony on the 4th of August 2009, E3/7468, the chief was Noem Kim Srang, the chief of the photographers, then followed by Comrade Song, who took photographs of Trey Sarr. And in his testimony on the 27th of April 2009, Duke says in E3/5793, le 3/5693, chief was Srang, le chef c'était Srang. J'ai demandé à Srang de prendre des photos des victimes récemment arrivées. C'est Srang qui a fait la prise de photos. Il était le chef de groupe. Et le camarade Srang était le numéro 2. J'aurais aimé avoir retrouvé le témoignage de Sousti, qui ne connaît pas du tout NOEM, mais je ne pense pas que ce soit utile. Mr. Witness, is it correct, ma question est la suivante, monsieur le témoin. Est-ce exact de dire que NOEM n'avait aucun rôle important à jouer dans l'unité de photographie? Yes, that is true. Réponse oui, c'est exact. NOEM did not have NOEM any role to play. He only came to study photography. And Sousti, what he said is also correct. Ce que Sousti a dit est également vrai. And as myself, I did not have any authority to wander around. I was sent to take a photograph of the prisoners and then return to my location. And I agree with Sousti's statement because NOEM had no role to play, so he was the one who stayed outside the compound. Et c'est lui qui restait à l'extérieur de l'enceinte. Very well, thank you, Mr. Witness. La défense, merci, monsieur le témoin. Now let me move on to your task at S21. Je vais passer aux tâches qui vous étaient confiées à S21. What was your job? What was your task while you were at S21 for pendant que vous étiez almost 3 years? Où vous avez passé pratiquement 3 ans. My main role is réponse. To take a photography mon rôle consistait and essentiellement to à prendre des photos et à développer des pellicules. When I was assigned to go to take photos, developed the frames. Et à mon retour, je développais les pellicules. Do you recall where you and Song and Nit were living while you were working at S21? Où viviez-vous, vous, Song et Nit, lorsque vous étiez à S21? I did not get your question. Réponse. Are je you n'ai talking pas about entendu when votre we question. Were living when the Ajun attacked us? Est-ce que vous parlez du moment où nous sommes partis lorsque les Ajun nous ont attaqués? I was in Division 703. Some lorsque people j'étais à la fled Division 703, Thailand. Certaines personnes ont fui en Thaïlande. That is when I was a photographer at 703. C'est lorsque j'étais photographe à la 703. Sorry, maybe my question la défense. Wasn't clear. I'm je m'excuse, peut-être ma question it. N'était pas claire. Where je, suis, you je vais la reposer. And your two colleagues, où étiez-vous living while you were working at S21? Vous et vos deux collègues. Is it correct that you were lorsque vous travailliez à S21, est-ce exact in a house, que vous viviez tous les trois dans une maison house? Proche de celle de Duick? Yes, that is correct. Réponse. The three of us lived and worked together. Tous les trois, nous vivions ensemble et travaillions ensemble. And in
this house, La Défense. Let me rephrase. Was it this house that was used by you and the other two to develop est-ce dans cette maison que vous et vos deux autres collègues développiez les négatifs des photos prises dans l'enceinte de S21? The house that I lived réponse. Was also used la maison où je vivais develops the negatives servait également à développer les négatifs and we constantly worked there. Nous travaillons constamment là-bas. Mr. Witness, you have La indicated Défense, témoin, that your house was about 50 or 70 meters northwest se situait of Duick's house. À 50 ou 70 mètres au nord-ouest de la maison like de Duick. Monsieur le Président, avec votre permission, witness, j'aimerais soumettre au témoin le document E3/10603 ERN en anglais 002 10940 document E3/10603 plan of, il s'agit d'un plan de Phnom Penh premises around S21 and it also has houses les locaux autour de on the site and I would like des bâtiments autour de Phnom Penh on y voit des maisons j'aimerais soumettre ce document au témoin et lui demander s'il peut identifier map. Les maisons apparaissant sur cette carte. Did you plan to put it on the screen? Juge Fens, envisagez-vous de projeter ce document? Yes, we were. Sorry, yes. La Défense, je m'excuse, mais oui. Nous aimerions que le document soit projeté. Yes, you can proceed. And every unit, le Président, please, allez-y, la régie. Project the document when requested and veuillez follow officer deliver the hard copy demandé. To the witness. Huissier d'audience, veuillez remettre la copie papier au témoin. I'm not sure if it's on the screen, but Mr. Witness, je ne sais pas si cela apparaît déjà à l'écran. We have dit la défense. Circled Monsieur on the right side. À droite, three houses, nous avons which might have encerclé been, I'm not sure, trois but maisons might have been the location, qui auraient été of the house you were living in and developing the photos. L'endroit où se trouvait la maison où vous vivez et où vous avez développé les photos. Reconnaissez-vous right l'une des trois maisons que vous voyez which are indicated à droite as de la page interrogation and documentation house, avec l'indication maison d'interrogation former houses of Duick, ancienne maison de Duick. Maison d'interrogatoire yes, et de I documentation, that's the house ancienne maison that de Duick. Réponse, in blue. Oui, je me souviens and que la maison encerclée à l'encre bleue est celle où je vivais, la prochaine, c'est celle de Duick, située à 50 ou 70 mètres de là. Le juge, no, juste pour we, le procès verbal, we juge Fens, nous ne voyons pas très bien la maison encerclée. Nous n'avons pas de problème, dit juge Fens, mais il faudrait qu'on puisse bien identifier ce que le témoin voit. La Défense, nous avons voulu le présenter ce plan, puis décrire à la Chambre ce que le témoin reconnaît. Court officer, please return the document to Nunchi's counsel. Le président, huissier d'audience, veuillez retourner le document à la défense de Nunchi. I was already wondering what why he said blue because there is no blue. La défense, je me demandais pourquoi il parle de l'encre bleue. Il n'y a pas de bleu.
d'un cercle bleu. Nous avons des cercles jaunes et rouges. La défense, c'est peut-être parce que le document est flou. Si la juge Fens, peut-être on peut lui reposer la question. La défense, très bien. Monsieur le témoin. Peut-être qu'une caméra peut faire un gros plan sur le témoin lui-même. Peut-être pour une fois, on peut utiliser cette caméra. Mais cette audience peut s'asseoir près de lui et lui lire la description. Dit la juge Fens, la défense, veuillez identifier à nouveau la maison où vous, Nit et Song, viviez. Le président, l'accusation a la parole. L'accusation, pour que tout soit clair, est-ce que ces cercles sont ceux qu'a apposé le BCGI ou bien c'est ceux que vous-même vous avez apposés? La défense. Mr. Witness, c'est exact. Could you one more time point out the house that you and Song and Nit were living in, and then défense, tell the court officer la maison où la maison next to you? Où vous viviez, vous Song et Nit. Pouvez-vous le dire à lui, c'est l'audience, assez près de vous? Again, court officer, please. Hand over the documents to the witness for his examination. Le président, huissier d'audience, veuillez remettre à nouveau le document au témoin pour qu'il puisse l'examiner. Witness, can you identify Juge Fens, the house counsel le témoin, asked for? Pouvez-vous identifier la maison telle que demandée par l'avocat? Yes. Le témoin, let oui. Let me tell the court officer who sits next to me. Je vais l'indiquer à l'audience. The house that I lived. Qui est près de moi. The voici house, la maison où je vivais. Circle in yellow is la the house that I lived in, jaune, and the other house is Dutch's house. Et and about the other house that is circled, I did not go there. La troisième maison which en color circle, is Dutch's house rendue. Circled? It is. It is in orange color. Réponse du témoin. And the defense will tell us orange. In the end for the record which circles. À la fin, maître, pour le procès-verbal, vous allez nous dire quel cercle il s'agit et quels sont les bâtiments concernés. La défense, pour le procès-verbal, il y a deux cercles en orange et un autre cercle en jaune, peut-être, si l'audience peut nous aider. That is the orange color below. Réponse. La maison encerclée en orange, and en dessous color, est celle yes, de Dutch House. La défense, et celle en jaune est celle où vous viviez? Upper réponse. Orange color house. Je ne sais rien au sujet de la maison for the en record, haut en orange. The yellow house is described as interrogation and documentation house number 12, street 348, referred to in D49/8, written record of interview of Singh Dani. Frank, I think the easiest thing is if you give us a copy, a color copy of this, and we attach it to the record. Peut-être so it's not admitted into evidence, but it's obviously a visualization tool which dossier. Should be attached to the record. Le document n'est pas versé en preuve, yes, mais c'est pour will. Des besoins de visualisation que nous le joindrons au dossier. La défense, oui, nous le ferons. Je vous remercie. Le président, l'accusation a la parole. Thank you, Mr. President. I just want to, merci, since I don't have a copy of the marked-up version, just is it, am I do I understand correctly? The witness has just indicated that he lived in si an interrogation bien, témoin, house.
Vient-il de dire qu'il vivait dans une maison d'interrogation? No, that's the description of that house. Non, c'est la description de cette maison. Is correct, I don't know. Je ne sais pas si cette description est exacte. What is said on E3/10603. C'est ce qui est dit dans le document E3/10603. Maybe the annex wasn't correct, and was it actually peut-être the house? Peut-être que l'annexe n'est pas exacte. That's something that I'm going to continue asking because I'm very interested in the developing. Je vais essayer de creuser ce point, so car je m'intéresse au développement de photos dans cette maison. Donc, je vais donc poser cette question. And Council, you may resume your questioning. Maître, vous pouvez reprendre votre interrogatoire. I was mindful of the time, but I'm very happy to. Je m'inquiétais du temps, mais je serai heureux de poursuivre, Monsieur le Président. Mr. Witness, can you recall Monsieur le témoin, a bit as to where in the house vous souvenez-vous was the equipment for developing negatives? Le matériel where was pour développer des négatifs dans cette maison? The dark room, for instance, où se trouvait la chambre noire? The chemicals, où conserviez-vous les the produits measurement chimiques, tools, etc. Les outils could you describe that a little de bit mesure, for me, etc. Pouvez-vous nous donner une description et des détails à ce sujet? Yes, I can recall that. Réponse, oui, je m'en souviens. The frames and the papers les and the chemicals papier, were stored in the chimiques, in the room itself because the room was pretty large and everything was stored there in that developing room. Je veux parler de la salle où les photos étaient développées. All the necessary chemicals and equipment for developing negatives. Le matériel nécessaire, was it les produits chimiques pour développer les négatifs, from the very beginning se trouvait toujours that you dans cette même entered maison up until, 7 January 79? Que vous avez occupé, vous, Sung et Nit, et ce jusqu'au 7 janvier 1979? I collected those materials from elsewhere and stored up in that room in order to preserve the integrity of the chemicals of the films and the papers. Des produits chimiques, des pellicules et du papier. I understand, but my question défense, was, je comprends. Was ma it always there? Était la suivante. Est-ce que always in that particular house ça a toujours that you stored all the maison. Necessary equipment? Was it always there between May 76 le matériel and nécessaire January 79? Entre mai 1976 et janvier 1979. Bah. Đi với mình tôi tụ cả mọi lại nữa. I stored that in that one location. Réponse. Je l'ai stocké dans cette même for now, my last dans ce question même in relation to that house. La défense. Dernière question concernant cette maison. Was it only you, Monsieur le témoin, and Song living there, or est-ce que vous viviez dans cette maison? Did also other people vous, come to live with you Nit there? Uniquement, ou à un moment donné, d'autres personnes vous y ont rejoint? Okay. Only the three of us réponse, lived there. Nous étions les seuls à y vivre. Never, tous les trois. Slept there and même not even to rest. Niam even to rest during the daytime. Non, jamais passé I la did nuit not even dans cette maison. Allow him il to ne venait enter même pas the, en journée. Developing room. Je ne lui permettais même he pas only came here d'accéder for à la a period salle of time, then he de développement des photos. And the persons who remained there were il venait only rester peu de temps et puis devait repartir. Ceux, les habitants de la maison, les occupants de la maison, étaient nous trois uniquement. La défense, parlez-moi du processus de développement lui-même. Pouvez-vous nous dire comment vous développiez les négatifs? Was that a difficult task, or était-ce was une tâche difficile? That sometimes went wrong? Ou parfois, y avait-il des dérapages? Pouvez-vous nous donner davantage de détails?
The most important thing is when réponse. We head to so-called cleanse the negatives. La chose la plus importante était le nettoyage des négatifs. If the chemicals were not mixed properly, then it would destroy the negatives. Cela pouvait détruire so les négatifs. Mixing the chemicals is the most important le factor. Des produits and if the negatives touch one another, maybe one or two damage. Et si les éléments se touchaient, cela pouvait causer endommagement des photos. Pour le développement, they could be reproduced. Lorsque but les photos étaient endommagées, on pouvait les itself, the process had to be Mais le very plus important, careful. C'était le négatif. Et il fallait I'm asking you faire this très because, attention. La défense. Je vous pose cette question parce que dans votre PV d'audition, le 3 bar, 7639, URN en anglais, 001-62736, 736 en français 0033 8 079 079 en anglais 001 6 27 13. Vous expliquez que quelquefois les photos étaient endommagées and that you had to make the photos again. Et vous deviez Did you say that? Do you recall refaire that? Les photos. Is that correct? Is L'avez-vous that what dit? Happened vous en souvenez-vous? Photos were damaged. Est-ce que cela se passait parfois? Arrivait-il que des photos soient endommagées? Yes. Réponse Sometimes oui. When the photos were damaged, we could parfois, reproduce them. Lorsque However, les photos étaient endommagées, on pouvait les reproduire, mais si les had to, retake the photos étaient endommagées, alors il fallait refaire les photos. Fallait photographier à nouveau. Thank you, Counselor. La défense. Since le the DVD is running Merci, out maître. Of space, and Étant we also need to have a short break, we will take a 15 minutes break from now. La bande vidéo arrive à son terme et que nous devons observer une pause. Nous allons donc prendre notre pause de 20 minutes. Suspension de l'audience.